Actes 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Les gens disent très souvent, « Ah, pasteur, vous ne connaissez que cette histoire, n'en connaissez-vous pas d'autres ?» Parce qu'en effet, je raconte très souvent cette histoire de la Bible, mais même si je le dis très souvent, ces paroles sont vraiment signifiantes. Lorsque nous sommes heureux et reconnaissants, nous savons très bien louer et remercier Dieu. Mais quand nous sommes fatigués et dans la difficulté, ce n'est pas facile de chercher Dieu. Mais quand devons-nous remercier et louer Dieu? C'est là la question. C'est lorsque nous sommes dans les difficultés et fatigués. Tout à l'heure, dans Actes 16, avant que Paul loue Dieu, il s'était passé quelque chose. Il avait chassé les démons qui possédaient des femmes. Il a été châtié parce qu'il a été accusé. Il était donc enfermé au fond de la prison. Dans la Bible, on peut voir qu'il a été enfermé dans la prison vers midi après avoir été frappé. Ce serait sûrement après plusieurs heures. Et je ne le saurais avec exactitude, mais peut-être qu'il avait perdu connaissance et qu'il s'était même évanoui, ou peut-être était-il dans le doute, l'inquiétude, je ne le sais aucunement. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas seulement une nuit sombre, mais que dans leur cœur, beaucoup de choses sombres étaient entrées. Toutefois, dans ces ténèbres, si nous voulions nous plaindre, nous nous plaindrons. Et Dieu, de son côté, dira « Ah, Paul veut se plaindre !» Et ainsi, il lui donnerait des conditions pour qu'il se plaigne. S'il avait de la crainte, alors les conditions pour avoir de la crainte s'en suivraient. Mais Paul, dans son état, a loué et prié Dieu. Ah, Paul glorifie Dieu dans cette condition. Paul aime me glorifier. Et donc, je vais lui donner des conditions pour qu'il puisse me glorifier. Et c'est ainsi que la porte de la prison s'est ouverte en commençant par des tremblements de terre. Les gardes de la prison ont reçu l'évangile, ont été heureux et dans la joie. C'est de cette manière qu'il a passé de bons temps. Par la suite, il n'y a que de bonnes conditions qui sont arrivées. Il n'y avait que de bonnes conditions. Évidemment que souvent, nous rencontrons des difficultés face auxquelles nous sommes inconfortables, nous avons de la rancune, nous nous inquiétons et nous avons de la crainte. Mais comment est-ce qu'il nous dirige? Quand nous sommes dans l'inquiétude, quand nous sommes dans la crainte, il nous conduit afin de nous envoyer à le louer, à le glorifier. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et après avoir prié et chanté, tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier, après voyant cela, pensait que les prisonniers s'étaient tous enfuis. Il décida de se donner la mort, mais Paul a crié, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier était très surpris. Il fit donc sortir Paul et Silas, les a amenés chez lui, les a nourris. Et arrivés là-bas, ils ont prêché. Les gens ont reçu l'évangile et cette grâce. En louant et remerciant Dieu, du côté de Dieu, ils ne pouvaient que les diriger dans des conditions de grâce. Ces conditions sont vraiment, vraiment étonnantes. Bien-aimés, si nous sentons mal face à une situation, Dieu opère de mauvaises conditions. Si nous sommes dans la tristesse, il nous donne des conditions de tristesse. Même si la situation a l'air d'être pesante et difficile, ne soyez pas dans la détresse, car si vous louez et remerciez Dieu, il créera des situations de remerciement. C'est ce dont il s'agit dans l'histoire de la Bible. Nous pouvons aussi, dans notre vie, voir que nous avons plusieurs fois eu ce genre de cas. Avant, nous disions que c'est difficile lorsque ça paraissait difficile, triste quand nous l'étions, souffrant quand nous le sommes réellement. Mais Dieu ne nous a jamais donné de la tristesse ou de la souffrance sans raison. En vivant, nous pouvons voir que tout cela aboutit à la bénédiction. Joseph était en Égypte en tant qu'esclave. Il a été vendu et ensuite allé en prison.
L'endroit où Joseph est allé n'était pas en tant que tel une prison, mais plutôt une des étonnantes étapes qui lui a permis de devenir ministre afin de sauver les Égyptiens ainsi que les Israéliens de la famine. Mais si Joseph s'était seulement plaint et en voulait à Dieu du fait qu'il était en prison, ce serait une chose vraiment dommage. Mais en étant heureux, content et en louant Dieu, toute inquiétude en prit fin. On peut voir ainsi qu'il est confronté aux choses heureuses. Paul a toujours mené cette vie. En parcourant son chemin, il a été mordu par une vipère. Si c'était une personne ordinaire, il aurait dit « Ah, je suis mordu par le serpent, je vais bientôt mourir, je dois faire quelque chose, j'ai besoin de médicaments, etc. » Mais calmement, il a fait tomber le serpent dans le feu. Dès ce moment, les conditions de remerciement s'en sont suivies. Et les gens de Maltesès ont dit « Celui-ci est un dieu, comment est-ce possible qu'il soit fait piquer par une vipère et ne ressente rien ?» Les gens se sont approchés de Paul pour recevoir de la prière. Ils ont été guéris et on pouvait voir que les gens de Malte changeaient de manière étonnante. Dieu nous donne de grandes et petites situations, oui. Mais le plus grand travail qu'il fait, c'est lorsqu'il transforme les ténèbres en lumière, la crainte en la foi et la tristesse en la joie. C'est ça qu'il fait. C'est pour cela que dans notre vie, quand les difficultés viennent, les craintes viennent, nous ne devons pas être inquiet ou triste, pas du tout. Mais quand nous louons et remercions Dieu, Dieu dit « Ah, il faut que je donne des conditions de remerciement à ce frère. » Et on voit qu'effectivement, Dieu donne des conditions de remerciement à ce frère. Quand Paul était en voyage pour Rome, il y avait de la tempête, le bateau a failli s'abîmer. Mais le messager de Dieu lui est apparu quand il l'entendit dire « Paul, il faut que tu comparaisses devant César. » Paul était content et a loué Dieu. Entre-temps, la tempête a cessé et la mer s'est calmée. Et ils ont enfin pu débarquer. Beaucoup de personnes ont survécu grâce au travail de Dieu. Souvent, Dieu nous donne de la tristesse, de la difficulté, mais nous savons que Dieu nous la donne afin qu'on puisse le louer et le remercier. Nous le savons. Lorsque nous louons et remercions Dieu, la crainte ou la peur s'éloigne et nous entrons dans la joie et le remerciement. J'ai aussi beaucoup expérimenté ce genre de situation. Paul aussi devait être souffrant et triste à cause de la situation qu'il trouvait pénible et triste. Mais il a pu faire de grandes choses en louant et remerciant Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux quand nous le sommes. Et quand nous sommes contents, nous disons que nous le sommes, n'est-ce pas? C'est vrai, vous pouvez agir ainsi. Cependant, ne dites pas que vous craignez quand vous l'êtes, que vous êtes triste quand vous l'êtes. Mais plutôt, pourquoi Dieu me donne-t-il cette crainte? Pourtant, Dieu m'aime. Cela doit être la bénédiction, mais laquelle? David, quand Siglag était brûlé et que toutes les femmes et enfants ont été prises en captivité, il avait pleuré et était dans l'angoisse au début. Mais lorsqu'il a loué Dieu, nous pouvons voir que l'histoire a totalement changé. Le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui a la capacité de transformer n'importe quelle tristesse et souffrance en joie. Quand nous nous approchons de Dieu avec la foi, je crois que Dieu nous donnera des moments de bénédiction et de grâce. Si vous avez des peines, ne les considérez pas en tant que peines, mais comme une occasion de joie. De même qu'étant devant la tristesse, considérez-la comme étant un sujet de louange. Je crois que Dieu nous conduira et qu'il nous accordera sa grâce. Merci beaucoup.